Salut tout le monde! Ici Zikino, on reprend Graveyard Keeper. Alors, je vais commencer par... Je sais plus exactement si je l'avais vu la dernière fois ou pas, mais en fait, les outils, je peux les mettre et les enlever de l'équipement là, au lieu de les garder dans mon inventaire. Du coup, ça m'aurait fait économiser beaucoup de place, il y a depuis le temps que je me balade avec. Sinon, je refais un petit point sur les talents que j'ai, parce que je les avais un peu oubliés, moi, depuis le temps. Je les ai gagnés au fil du temps, et voilà, j'ai pas forcément fait gaffe. Donc, journaliste, je récupère, je peux avoir des histoires quand je parle à des gens, pendant les dialogues, je peux gagner des histoires. Prédicateur, je peux faire le culte. Esprit inquisiteur, des fois, quand j'étudie des objets, je peux avoir une histoire. Donc du coup les histoires ça peut me permettre de faire des chapitres et des livres mais ça a l'air d'être assez assez compliqué on va dire. Ensuite ça on peut le faire sous l'église. Ensuite bûcheron je peux avoir deux troncs d'arbres quand je coupe un arbre en gros. Et fermier je sélectionne les meilleures graines. Donc voilà j'avais un peu oublié, ça fait pas de mal de se le rappeler. D'ailleurs, j'avais aussi oublié que j'avais la potion d'alchimie, d'énergie dans un de mes coffres. Voilà, dans le coffre pas loin de mon lit. Sinon, un petit point sur les quêtes habituelles quand je recommence un stream. Donc, les quêtes principales, on va dire. J'ai retourné auprès de celle que j'aime, donc c'est la quête du jeu, activer le portail de la sur la colline aux sorcières qui est censé me ramener auprès de celle que j'aime. Quelque chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est trouver un zombie dans les débris à l'entrée des bois. Donc le zombie attaché nous a bien dit oui, il y a un de mes collègues, je sais pas quel équipement les zombies avaient, par contre il y a un de mes collègues zombies qui s'est fait écraser par un rocher à l'entrée des bois. Donc si je le déterre, je peux retrouver... je peux avancer cette pièce des zombies. Et fabriquer le laser, donc c'est un peu comme activer le portail. Pour le moment, la vue que j'en ai, c'est ça. Donc Jerry et l'inquisiteur veulent du vin de qualité argent. D'ailleurs, pour faire le laser, il faut aussi que je me débarrasse des gardes. L'astrologue, il veut de l'acide, il veut des outils de restauration. Donc ça, pour le moment, on laisse un petit peu de côté. Serpent, faut qu'on explore le donjon et qu'on fasse baigner des clous dans le sang et de récupérer un seau de sang. Le marchand, j'avais totalement oublié qu'il lui fallait une licence commerciale. Je sais pas si je l'ai déjà prise. Ou si il faut que j'aille l'acheter, je me souviens plus. Comme le tampon pour la viande, je sais pas si je l'ai ou pas eu. Mademoiselle Charme, donc c'est un peu bloqué pour le moment. Il faut avoir des meilleures relations avec Serpent. L'évêque, atteindre 20 dans la qualité de l'église et apporter des filets de poissons. Pareil pour le pas Wagner. Il était où? Je l'ai vu passer là, le baron gitan qui lui aussi veut des poissons de qualité. Et en relisant les missions, je me suis dit que maintenant que je peux pêcher, en fait je peux du coup faire les trancher les poissons que j'ai pêchés en tranches et pouvoir très certainement débloquer la quête du baron gitan et de l'évêque, enfin avancer avec leurs amitiés et dans leur quête à eux quoi. Du coup Wagner aussi veut du vin. Clotho, la fille sorcière, il faut que je lui trouve une citrouille, du coup j'avais acheté des graines, donc ça pousse tout ça. Le tampon de Radric pour que je puisse lui vendre de la viande, et du coup sûrement me faire pas mal de thunes. Et voilà, oui Gunther le zombie, d'ailleurs il a pas de petite description lui. Voilà pour le moment. Et du coup on va pouvoir y aller. Oui, dans le coffre il y a les poissons. Donc je vais prendre les poissons, voilà. Et on va d'abord couper quand même le poisson. On est quoi? On est le jour de la
de la prédication, mais ça j'ai dû le faire. Du coup, il n'y a pas de souci. Tac. On va se faire les poissons. Je crois que c'était du poisson rose qu'ils voulaient par contre les gens. Plus que du poisson blanc. Si je dis pas de bêtises. Donc là, je sais que j'ai du poisson blanc. On va le poser ici et quand je ferai un tour, quand je les verrai, je vérifierai si c'est du poisson blanc ou du rose qu'ils veulent. Ça c'est quoi? C'est du jus de baie. Je sais même plus comment on le produit là tout de suite. Où est-ce que j'avais planqué mon vin? Parce que comme me l'a très justement suggéré le signe noir en commentaire, je peux garder mon vin sur moi. Oui, potion de soin en plus. Je peux sûrement garder mon vin sur moi. Même si je peux pas le donner pour les quêtes, je peux quand même le équiper en haut. Comme ça, je peux regagner de l'énergie quand et de la vie en utilisant le vin, ou alors même le vendre si jamais je trouve que j'ai pas assez d'argent. Je sais même plus combien j'ai d'argent, j'ai pas fait gaffe. J'ai 4 pièces d'argent et 72 pièces de cuivre. Ok. Et je viens d'utiliser du vin pour rien du tout. Misclic. Donc j'ai dit, tac, on est au jour de la femme. C'est pas forcément très intéressant tout de suite. Là, il n'y a pas les graines que je veux. Du coup, je vais essayer de trouver le zombie qui s'est fait écraser par des rochers, donc l'entrée de la forêt. Juste avant, je fais un petit détour pour voir si j'ai du raisin mûr. Ça peut être bien, non. Non, c'est pas mûr tout ça. Tac. Je peux mettre ça, mais je peux pas... Enfin, de toute façon, je peux pas, non. Pour moi, l'entrée de la forêt, c'est par ici. C'est quoi ça? Non. Il veut pas avoir le truc juste au-dessus. Bon, tant pis. L'entrée de la forêt. Ouais, merci. On prend les baies, vu que ça peut nous rapporter de l'énergie plus tard. Si tu regardais la carte, oui. La carte. Donc là, je suis au-dessus de la ferme de céréales. La forêt est plus à droite. Je vais essayer de prendre le. Même si je vais me faire agresser par les abeilles, c'est pas grave. Le miel, c'est assez. J'en ai pas beaucoup. Le miel et la cire d'abeille. Donc voilà, je sais. Donc là, en bas, c'est le village. Ici, ça doit être la forêt. Ou alors, il parle de totalement une autre forêt que je n'ai pas encore débloquée. Parce que, je le rappelle, j'ai pas forcément débloqué tous les passages. Si on regarde la carte, au-dessus du campement à droite, je ne peux pas encore y aller. La maison brûlée, je sais pas pourquoi elle est à moitié dans les nuages. En haut des terres des sorcières, je ne peux pas y aller. Et au-dessus du vieux cimetière, il y a un passage où je ne peux pas aller. Et en bas là, la ville, sous le village, je ne peux pas y aller. Donc il y a beaucoup d'endroits qui me sont encore interdits. Je pourrais peut-être viser à débloquer tous ces endroits-là. Mais là, pour le moment, je me dis qu'on verra plus tard. Quel est cet endroit ? Ce chemin mène au fort de la montagne, entrée interdite. Voilà. Quand je vois ça, je ne sais même pas comment débloquer le moyen d'y aller. Ce sera sûrement dans l'émission plus tard. Alors, ouais, lui, les filets de poisson, c'est du poisson rose. De toute façon, c'est qualité argent. Donc,
la forêt. Je pense qu'ils l'auront pas trop caché, quoi. Je descends là, je crois que c'est directement... Oui, c'est là, le... C'est par là. J'espère qu'ils l'auront pas trop caché, le zombie qui s'est fait écraser. Ce serait dommage que ce soit là, mais qu'il faille chercher à fond. C'est peut-être le rocher fleuri là-haut, même si ça donne pas l'indication qu'il y aurait un zombie écrasé dessous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, on retourne déjà au théière de pierre, tout ça. Non, je ne vois pas. Donc soit ce n'est pas ici là. Est-ce que c'était dit comment ? Trouver un zombie dans les débris à l'entrée des bois. Alors là c'est marqué falaise. Ici c'est vrai que c'est pas marqué les bois. Mais en tout cas je pensais que c'était là. Tant pis. Je vais voir pour à combien se vend le vin que j'ai. Pour me donner une petite indication. Et au retour, je vais payer... Je vais acheter des graines de citrouille, je pense. Peut-être je pourrais acheter aussi des graines de chanvre encore. Pour avoir un peu plus de production. Alors, commercer. Ah oui, il me l'achète quand même une pièce d'argent et 4 pièces de cuivre. Oui, bah, je peux en donner. Oui, je peux en donner un bon paquet là. Je pense que j'en aurais pas besoin de d'autant que ça. Ouais, pourquoi j'appelle chat moi? Pourquoi je ne le vois pas? Oh, bonjour Benny Hill 68. Bonsoir, tu as une idée pour débloquer des points bleus? Car vraiment, je galère pour en avoir et faire. À part faire du verre en boucle. Ah, le zombie, il est à gauche de ton camp, juste avant la ruine. Juste avant la ruine, tu minais un tas de pierres. Ah, ok, alors attends. Je termine l'offre. Ça me paraît être... Gagner 9 d'argent comme ça, ça me paraît pas mal. On a un cadavre, donc faut s'en occuper. Non, j'ai dit que j'achetais les graines, donc autant passer par là. Donc tu m'as dit... Benny Hill, le zombie, ce serait plutôt à gauche de mon camp, juste avant la ruine, à gauche. Tac, j'ai mon domicile. Ça doit être au-dessus du cimetière que je n'ai pas encore exploré. Attends une seconde, je commerce. Je voulais des graines. Pas de carottes, pas de blé, de citrouille. Ah, et j'ai oublié de prendre le chanvre tout à droite, c'est pas grave. Oui. Ah oui, et puis là, il y a des citrouilles de qualité supérieure. On va en prendre 4, comme ça va me valider une citrouille. Terminer l'offre. Domicile à gauche et au-dessus du cimetière, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des ruines, des... Il y a une mine de pierre à cet endroit. Sinon, oui, tu demandais pour faire des essences bleues, là, dans les technologies. De ce qu'on m'a dit, parce que j'avais pas forcément fait gaffe pendant que je le faisais, mais le signe noir m'a dit que en faisant des bougies et des cordes avec le chanvre, ça faisait du... Ça donnait des essences bleues. Et sinon, tu peux faire des recherches dans le... comment ça s'appelle déjà ? Dans le laboratoire, là, sous l'église. Tu peux faire des recherches sur les objets qui sont... le sang, les os, tout ça rapporte du bleu. Quand tu fais une recherche, donc c'est une fois, mais... ça permet de débloquer au début. Ça permet de bien se débloquer au début. Et la graisse.
le jour de la femme se termine. Demain, c'est le jour du marchand. Je regarde rapidement. Citoyen, tampon royal, permis de construire. C'est pas ça, citoyen légitime, licence commerciale, oui. Non, ça coûte 50 et je l'ai pas encore. Par contre, le permis de construire, je sais pas pourquoi c'est, donc tant pis, pour le moment je ne regarde pas. Plus que ça. Non. Hop. Je creuse, je repose, et on referme. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai assez? Oui, je peux au moins lui mettre. Bon, j'aurais pas pour tous, mais je pourrais au moins lui mettre une belle tombe. D'accord, mais j'ai déjà pas mal recherché d'organes et je trouve qu'on n'en gagne pas beaucoup. Oui. Non, bah ça, je suis d'accord avec toi. J'ai eu un gros problème pendant pas mal de temps avec les essences bleues. Allez hop, je passe par la gauche. Je me redresse un peu pour mieux voir l'ennemi. Donc là, non, je peux pas passer. Tac. Oh, du miel. Oh, une abeille. Ça, c'est bien les abeilles, vu qu'elles coûtent super cher. Suis le chemin et c'est au-dessus. Des zombies, il y en a deux. Oui, mais en fait, c'est là le lâche, j'ai pas encore débloqué. Ah, c'est sûrement l'endroit dont m'a parlé Gunther. Bah voilà. Je crois que je vais devoir déblayer les rochers qui bloquent la route. Ok, bah on peut viser ça du coup. Alors, c'est 10 piquets de bois. 2 planches de bois et 4 pierres de fer simple. 10 piquets, 2 planches et 4 pièces de fer simple. Putain, je suis mid-life juste en ramassant un peu de miel. Quoi. C'est très rapide, les abeilles. En plus, on peut pas se défendre à esquiver les coups, tout ça. Alors, 10 piquets de bois. Donc, ça, c'est très bien. Les plans, je crois qu'on peut en faire là. Attends, c'était pas plus rentable ici. Ouais, une planche pour une dose, c'était plus rentable. On va faire 2 planches ici. Et 4 pièces de fer simple. Au final, j'ai mis tout ça. J'ai préparé tout ça, mais j'ai même pas regardé ce que j'ai en stock. Voilà, j'ai des planches. J'ai pas de piqué, donc c'est bon. Et les pièces de fer simple, j'en ai 2. Donc on va faire 2 pièces de fer simple en plus. Je sais plus par combien ça se fait, par 3. Très bien. Voilà. Je peux en poser un du coup. Une. Là, je vais vite plus avoir d'énergie. On va viser quand même de faire tout ça avant de retourner se coucher. Il voulait quoi déjà le marchand? Oui, le remède contre la malédiction, mais il faut aller voir Cloto et du coup j'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Voilà. Du coup merci Benny Hill, c'était plus rapide de trouver comme ça. Même si j'y serais sûrement allé, mais j'hésitais en fait entre ici et là où j'ai recherché en premier. Dégagez le passage. Devoir manger un peu de quelques baies. J'ai rêvé ou ça m'a tout monté d'un coup? Je devrais me mettre à la recherche de zombies. Ok, oui, là je peux travailler directement. D'accord, faut que je... Ok. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu recette. Commencer à construire la série. D'accord.
Ok. Il y en a un autre, c'est ça? De rien, je suis arrivé au bon moment. Oui. Recette commencée à obtenir. Ok, et là, il n'y a plus rien. Du coup, on va les ramener tous les deux. Je sais pas trop où les ramener pour le moment. Je pense au. Hop. Voilà. Comment ça s'appelle? Ah, la table de réanimation. Oh, bah, je l'ai perdu. C'est pas grave. Le temps de réfléchir sans trop regarder l'écran et je le perds. Alors, ici. Oui. Oui, mais j'ai déjà un corps sur moi. Non, il veut pas. D'accord. On va les mettre là. Qu'est-ce que je peux faire avec juste le zombie? Je pensais. Ah, peut-être l'étudier. Je vais voir la table pour étudier les objets. Tu les laisses à ta baraque, sont prêts à servir, je pense. Moi, j'y suis pas encore. D'accord. On va voir, parce que. Ils ont pas l'air très vivants, ces non-morts, comme les a appelés Gunther. Donc je me dis, il y a peut-être un truc à faire avec eux. Ou alors, faut aller voir Gunther avec eux, qu'ils me disent quoi faire. C'était là. Ouais. Ouais, le genre de la poudre d'os broyée. Mais non, d'accord, ils s'en fichent. Ça, j'avais déjà fait. J'ai encore un corps. Je vais les laisser, oui, dans le sous-sol. Mais ils m'ont dit que j'avais gagné la recette Siri. Donc, si ça se trouve. Ils vont se réveiller quand il y aura une série fonctionnelle. Je ne sais pas. Oui, extraire le sang. Ah oui, je voulais aussi extraire le crâne. Donc là, ça fait 3 et 3, je me souviens jamais. C'est pas forcément toujours bien. Oui, ça rajoute un crâne noir rouge. En soi, c'est pas mal, mais. Et j'ai eu une erreur médicale là, dommage. Prendre le corps. Donc la scierie que j'ai obtenue. Et surtout, j'ai déverrouillé le passage en haut, donc ça fait déjà beaucoup de choses. Ah, plus d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pas assez, c'est ça? Si. Voilà. Et du coup, Benihil, la corde et les bougies, en fait, j'avais déjà. J'avais déjà essayé de poser une bougie là-dessus, ça dure quelques temps, et après elle s'éteint. Du coup, t'as une raison pour faire de la corde en permanence, pour faire des bougies en permanence, pour gagner du coup du bleu, mais pas faire des stocks faramineux de bougies qui te servent pas à grand chose. Non, je peux te dire qu'il se réveille pas, c'est sûr, c'est toi qui les places là où il y en a besoin, dans leurs emplacements et baraquements. Où ils sont requis. Le passage que tu viens d'ouvrir un peu plus haut se trouve un grand arbre. D'accord. Ah, essaie de pas trop me dire non plus ce qu'il y a plus loin. Hein, je l'ai pas encore découvert. J'aime bien aussi découvrir les choses par moi-même. Après, trouver l'endroit, c'était sympa. Genre du coup. Des plantations. Alors là, il n'y a pas de slot à zombies tout d'un coup qui.
Oh, il y a marqué mettre. On peut le mettre là, d'accord. Alors, je peux le mettre là, d'accord. Et là, je lui dis de fabriquer... je sais pas moi, des poutres, des billes de bois. Ah ouais, il va lentement, il le fait tout seul. D'accord. Ok. Ok, merci pour cette info. du coup, on va quand même se reposer un peu. Attends, si je l'enlève. Juste pour que... Voilà, pour utiliser la fin de mon énergie. Même si c'est peut-être un peu moins utile maintenant que je peux leur faire faire des choses. Dormir, le jour de serpent. Je crois que je m'en fiche toujours un peu. Hein. Enfin, faut... De toute façon, il est là toutes les nuits. Et lui donner des clous... Des clous ensanglantés, je sais plus trop. Mais de toute façon, c'est pas mon objectif de cette séance. Donc je verrai plus tard. Tac, tac. Je vais poser les organes. Tout ça. Je vais poser ça, ça. Donc ça je garde. Le miel, je pourrais peut-être le poser dedans. La cire, je sais. J'ai dû la mettre quelque part, je sais plus où. C'est pas grave, je vais la mettre ici. Non, les abeilles, je les ai mis avec les abeilles, la cire, c'est pas possible. Là j'ai déjà quelques abeilles. Voilà. La grenouille, ça fait pas des filets de poisson aussi? Je sais plus. Non, ça fait de la viande tranchée, d'accord. Cru. Tac. Alors, du coup, c'est cool. Faudra que je ramène l'autre. Alors, le champ. Ah non, c'était pas le champ, c'était chou. Chaque fois, je me fais avoir. Tac, tac. Alors, ici, je remets du champ. Ici. Alors, je vais mettre... Je peux laisser les mauvaises qualités. Et là, je vais mettre la citrouille de bonne qualité. Comme ça, j'aurai une citrouille de bonne qualité pour la prochaine fois. Là, je peux remettre des choux. Est-ce que les vignes là-haut c'est bon ou pas? Non, ça je pose pas, ça je peux poser, ça je... si ça je peux poser. Est-ce que les vignes là-haut... Non, ouais, les vignes je peux les récolter. Donc je fais ça et après on va explorer le... la zone. Oh, il y a encore du... Encore un cadavre. Hey Dylan, tu veux t'arrêter? Il y en a trop des cadavres. En même temps, c'est ce qui me rapporte à la base le plus facilement de l'argent. Alors, on replante ça, on replante ça, on replante. Et est-ce que là. Non. Non, j'ai que 3. Il va pas vouloir. Ok. Oh, il y avait celui-ci aussi, j'avais oublié. De raisin qualité argent, ça fait du bien. D'ailleurs, il n'y a pas une touche pour sprint, on est d'accord. J'essaye, mais parce que là, des fois, je fais beaucoup d'aller-retour, je trouve. Lui, je le remonte dès que je peux. Non, il n'y a pas. Alors, autopsie, récupérer le crâne. Ah, dommage, erreur. Erreur médicale. Tac, et le sang. Oh non.
combien de carottes là-dedans? 5. Ok, donc il n'y a plus qu'un corps avant qu'il arrête. Oui, il faut que je construise un lieu de sépulture. Vachement d'objets. C'est pas grave. On va explorer. On verra plus tard. Le jour de l'homme, c'est l'inquisiteur, ça. L'inquisiteur. Oui, il faut que je lui fasse virer tout le monde, mais pour ça, il faut que j'ai du vin. Du coup, je peux produire du vin de bonne qualité. Vu que j'ai du raisin de bonne qualité. Mais j'en ai peut-être pas assez. On verra bien. Là c'était bien 20 abeilles. 10 abeilles, d'accord. Et je crois que j'en ai 3 quand j'ai posé tout à l'heure. Alors. Forcément l'exploration de nuit, le truc le plus moche. Série du grand arbre, d'accord. D'accord, du coup je pense que si je pose un zombie ici, il va me ramener du bois à l'infini. Après, tant qu'on peut avoir un peu de chemin, c'est pas plus mal. Et ça m'amène assis. Attendez. Forêt près de la rivière. Oui, bah oui. Oui, c'est ça. Ce chemin-là, j'y suis déjà allé. Sauf que je m'arrêtais genre ici parce qu'il y a un. Comment ça s'appelle, un bout de bois, un bout de rocher qui s'est effondré, voilà, et ils me disent je ne peux pas aller plus loin. Ok. Ouais, ce truc là c'est pour faire du rocher à l'infini. J'en avais vu un autre à gauche juste en dessous. D'accord, donc là effectivement c'est plus une forêt ici que tout à l'heure. Sable. Dommage qu'on puisse pas voir sans récolter qu'est-ce que c'est. Oh, il y a un chemin à gauche. Et un point de pêche. Intéressant. Ah non, c'est pas grave. Non. Non, non, non. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il n'y a pas grand-chose, on dirait. Non, celle-là, ok, celle-là, c'est, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, on peut aller à gauche aussi. Donc là, à gauche, pour le moment, il m'a pas dit. Il y a encore les nuages. Là, je peux pêcher, on ne peut pas le faire tout de suite. Avec plein de charbon. Et donc ça, ce serait du charbon. Je vais utiliser du charbon. Ah si, le charbon, ce serait pour faire du... Comment ça s'appelle? Donc là, c'est la forêt près de la rivière, d'accord. Le charbon, ce serait pour faire de...
ça serait plus efficace que le petit bois pour chauffer. Je teste. D'accord, autant les utiliser. Hein. Le but c'était de les jeter, mais si ça me redonne de l'énergie. Je croyais que ça donnait 2 d'énergie quand je le jetais pour pendant la pêche. Bref. Donc là je peux pas rentrer dedans. Et ça a l'air d'être une mine de fer, je pense, pour les zombies. Donc là, les trucs d'eau, on connaît. Le puits, je veux dire. Je perds mes mots. Entrée. Je peux dormir ici, d'accord. Là, je vais pas forcément le faire, vu que j'ai regagné toute mon énergie. Marteau requis. J'ai pas de marteau sur moi. Ok. Ah bah tiens. Oui, c'est bien du charbon. Mine de zombies, fabriquée à mine de zombies. Là, c'est les toilettes, c'est ça, ce qui ne servent que pour la déco. Ça, ça doit être une mine de fer pour les zombies aussi. Enfin, pour les zombies. Je peux l'exploiter, mais. Là, j'essaie de longer le côté gauche cette fois. Alors, ici, on est où? Si je regarde la carte. Ok, on est vers le haut de au-dessus des marais, mais voilà. Et du coup, là, c'est quand même pas déblayer le passage. Alors, 10 piquets, 2 planches de bois et 4 fers simples, comme la dernière fois, en fait. Et là, ça doit être juste ici. Juste ici, je pense que je suis. Pour pouvoir faire un tour plus simplement. Donc ça, oui, pourquoi pas le débloquer. Ça m'évitera de me dire... ah, je veux aller à tel endroit, mais... Enfin, je veux aller dans la petite cabane, mais... Bah, j'ai un chemin où je peux passer, mais pas l'autre. Dommage de ne pas s'autoriser tous les chemins. Et là, il y a du sable. Mais c'est tout, je pense. Et la cascade, quand même. La cascade, oui, c'est ça. Oui, bah oui, c'est cool, je l'ai bien trouvé. Allez. Jour de l'homme, du coup, il s'en va, j'ai pas eu le temps. J'ai tellement exploré que j'ai pas eu le temps de lui donner son vin. De lui faire et de lui donner plutôt son vin. Ah d'accord, il y a quand même des chauves-souris ici. Ah oui. Bon, une aile de chauve-souris, c'est pas très important. Voilà. J'avais pas autant de... J'avais pas de chauve-souris de la nuit ici, moi. Oh, punaise, je vais mourir. Voilà. Oula, petit saut. Bon, bah, très bien. Il y a beaucoup de choses, en fait. J'aurais dû me débloquer plus vite les passages. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Faut d'abord que je pose. Du coup, si. Comme ça, je peux lancer un zombie pour faire les piquets et tout ça. Il me faut un bloc de fer simple. J'ai déjà les planches et les piquets. Donc là, il me faut une fois des pierres de fer simple. Donc toi, tu vas me les faire. Et les 10 piquets. Donc le zombie, je l'avais laissé là-bas. Saut de jus de raisin. Mais j'ai même pas assez de raisin. Alors je pose tout. Et je pose tout. Là. J'avais laissé le chanvre ici. Qu'est-ce que j'avais laissé d'autre? Les globes, les jolies vertes.
Je vais chercher le zombie. Ok, bonne soirée, Benny, bon appétit. Avec tout ça, moi, je vais pas rechercher l'alchimie et tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut avoir des objectifs et en faire d'autres. C'est... Je pensais pouvoir faire plein de choses, mais en même temps. C'est pas si grave si je peux pas tout faire. Est-ce que je peux lui dire de travailler sur le... Non. Je peux travailler avec lui sur... Non, ok, il le pose. Ok, c'est mieux. J'aurais peut-être pu ne pas faire le détour. Et toi, on va te mettre là. Il faut fabriquer 10 billets de bois. Il a fini déjà. Ils ont l'air d'aller plus vite que ce que je pensais. Ça va beaucoup plus lentement que le faire soi-même. Ce qui est normal parce que sinon t'as 5 zombies et tu vas super vite à tout faire. T'es peut-être un peu perdu déjà. Mais en même temps. Oui non c'est bon, on s'en fiche de pas être soigné à 100%. Du coup, le marteau c'est important. Je repose ça, je pose ça, je pose ça. Je pose le miel. Graines de vigne. J'ai oublié de poser l'abeille. Voilà. Il voulait de l'acide et des outils de restauration pour le journal. Ah mais, une fois qu'ils les ont faits, ils les mettent directement là-dedans. C'est magique. Mais c'est magique. Alors, on va mettre du combustible, on va mettre masse de charbon. Voilà, on pose. De ferraille. Donc on va dépenser, on va utiliser toute cette ferraille. Du coup, pour là-bas, il me fallait 2 planches, 10 piquets et 4 pièces de fer simple. Voilà. Je peux peut-être. C'est un peu ridicule, mais en même temps, équiper. Des asticots. Comme ça, je sais que si j'en ai plus de 30, je peux les manger. Ça me. Je peux manger des asticots, c'est très. Bon appétit, bien sûr. Hein. Et ça peut me faire en sorte que j'ai. Je vérifie que j'ai toujours un seul slot d'utiliser pour les asticots, pour pêcher tout ça. Mais pas ne pas trop prendre de place non plus. Ah, j'aurais dû ramener un zombie ou deux avec moi. Enfin, un. Deux, c'est un peu compliqué. Je voulais en ramener un pour voir s'il pouvait me ramener du fer ou de la pierre en permanence. Mais peut-être qu'il peut même me travailler ça, donc je vais faire l'aller-retour. Comme vous le savez, sur ce jeu, je ne suis pas du tout optimisé dans mes déplacements. Vous avez bien dû remarquer depuis le temps. J'aime bien optimiser et tout dans les jeux de stratégie, tout ça, mais là, à chaque fois, je fais des allers-retours pour pas grand chose. Mais bon. Et le marteau, oui, le marteau, j'ai oublié. Oh, il y a ça aussi. Les cadavres en cours. Mais non, c'est pas grave, ça peut rester dehors. Voilà, il n'y a plus de carottes.
L'âne ne m'embêtera plus avec des nouveaux corps. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Est-ce que c'est de la pierre ou est-ce que c'est du... Non, il veut pas travailler là-dessus. Est-ce que c'est de la pierre ou est-ce que c'est du fer qui m'intéresse le plus? Le charbon, ça peut être aussi très intéressant. Le charbon est aussi un élément très très intéressant. J'ai pas un marteau. Très noir à très clair, c'est assez bizarre. Alors là il peut me fabriquer du marbre je pense, mais j'ai pas besoin de marbre tout de suite. Là il peut rien prendre. C'est l'air d'être du marbre ça quand même. Alors je l'ai emmené jusqu'ici. Je vais le mettre à faire du charbon, à faire du fer. Non, le fer c'est très bien. Non. Ah mais il peut pas le faire, d'accord. Ok. Il peut fabriquer du marbre, mais là j'ai pas encore les technologies personnellement. Du coup il va faire du charbon s'il veut bien. Non, il veut pas. C'est marqué mine zombie. Non, il veut pas. Bah peut-être que j'ai pas encore débloqué de quoi le laisser faire. Non, je vais aller à droite. Je vais aller voir. Comment dire? Je vais aller vérifier s'il peut faire de la pierre, et sinon je lui ferai faire du bois, même si le bois en vrai j'en ai pas besoin beaucoup, j'en ai déjà pas mal, mais là la scierie c'était clairement dit que je pouvais le laisser faire. Alors là non. Où c'est pas marqué sur la carte évidemment. Je crois que c'était ici, ouais. Non là c'est pour moi que je mets. Bah du coup je vais le remettre. Enfin je vais le mettre plutôt au bois, à la scierie ici. Non il veut. Il est fabriqué. Oui. Ou alors fallait que j'aille dans technologie pour que je vois Siri du grand arbre. Alchimie pour un zombie. Établi d'alchimie pour un zombie, d'accord.
ça peut être bien un zombie de jardin s'il s'occupe de tout le jardin. Moi, ça me permettrait d'arrêter de trop y réfléchir. Alors, d'ailleurs, pendant qu'on est là, le marteau, je le vois même pas ici. Alors là, il y a un marteau. Marteau en fer. Mais avant, il n'y en a pas à gauche. Font avancer. Et faire un fourneau 2, d'accord, mais... Oui, je peux faire une armure, faudrait peut-être que je la fasse. Et une épée, j'en ai déjà une. Je peux peut-être en faire une meilleure. Oh, zombie mineur, zombie ce bûcheron. Bah voilà, ça doit être ça. Carrière à minerai de zombie. Gauche. Gauche. Zombie bûcheron, commencer à construire la scierie. Ben, j'ai 12 de bleu, du coup je vais faire les deux. Là, normalement... Ah d'accord. Il faut que je la construise moi-même. Donc, 18 d'os, 6 clous et une hache 1. 18 d'os, 6 clous et une hache 1. C'est pas donné, hein. Lui, est-ce qu'il va bien vouloir travailler dans la mine ou pas? Ou est-ce qu'il faut aussi que je ramène des choses? Là, c'était là. Non, c'était pas ça. Ou alors, c'est que ça autorise... C'est étrange. Je peux rien faire comme ça, mais avec lui j'ai pas de fais le travail maître. Je peux ramener de l'eau. Ah oui d'accord, la carrière de marbre faut vraiment la fabriquer. Oui bah c'est pas pour tout de suite hein. Mais c'est bien du marbre et ici c'est un gisement de pierre. Oh par contre 5 piquets, ça je peux le faire, oui. Ok, bah peut-être que... Ok, on va laisser lui là. Oh, faut que je fasse la prédication aussi. Ne surtout pas louper une chance d'avoir un peu de foi. J'aurais dû... Pour la prochaine fois, faudrait que je prévoie de faire des bougies d'avance pour que la foi soit un peu plus belle au moment où il y a les pèlerins.
On prend ça. Moi qui prononce quelques mots, on a le temps de boire un petit coup. Un petit peu d'eau. Ils sont en OK. Ils sont pas en bof, ils sont pas en super, ils sont en OK. C'est un semi-loupé quoi, c'est un semi-échec, c'est ça? Succès. Mais c'est un succès avec des chances de 100%, c'est ça? Du coup, ils sont pas contents que j'ai des chances de 100%. Pardon, je ne sais pas. Du coup, non. Je repose la foi. Ça. J'ai des ailes de chauve-souris ici. Je vais les garder. Chez moi, ça aussi je pourrais les carrer. Je prends tout ça et je vais le remettre dans les souterrains, ça sera un peu mieux. C'est là. Ça aussi, je pourrais le détruire d'ailleurs. Pour faire un petit passage un peu plus rapide. Je crois que je vais avoir. J'ai eu le temps d'avoir oublié la moitié. Alors, ici, on pose ça, 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 ça et ça. Deux fois des pièces de fer simple. On a dit qu'il me fallait aussi il me fallait 18 d'os, je crois. C'était pas ça? L'armure elle est là, ok. Je crois qu'il me fallait 18 d'os. Ça, il m'en fallait aussi. Et 18 d'os. Et 6 clous, je crois. Je fais des trucs, je sais même pas si c'est vraiment ça qu'il fallait. Parfait. Du coup, je vais me faire le reste. Au moins une partie du reste. Ça me fait penser. Le marteau. J'ai le purin, mais. Ah, le marteau, il est là. J'ai mon marteau rouillé. Je vais prendre le. Tac, ici. Ici, je peux pas enlever, je peux le détruire. Et le marteau, il s'est bien mis déjà à sa place. Ça, on pose ça. Ah bah j'avais déjà 32. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà tout ça, j'ai tout ça. Ok, on va dormir. Oui, jour de la femme. Désolé mademoiselle Charme, mais tu ne nous intéresses pas plus que ça. En même temps, nous sommes déjà pris. J'ai pas envie de perdre le fil, du coup je vais continuer la journée de demain. Avant de quitter cette première vidéo de la soirée.
Tac. Je vais le mettre. Prendre. Quoique, non, je vais l'emmener là-bas. Comme ça, il y en a un qui fera la série, l'autre la pierre. Si je me suis pas trompé, ça sera parfait. Si je me suis trompé, ben tant pis. Je vais prendre les planches de bois au cas où. Donc ça c'est sûr, j'en aurai pas besoin. Si pièce de fer simple, 10 clous, beaucoup de d'os et des piquets. Ouais, je crois que j'ai tout. Hein. Je crois que j'ai tout. Le j'ai pris zombie mineur, zombie bûcheron, zombie carrière 1, carrière de pierre de zombie droite, et là c'était minerai de gauche. Ok, c'est un peu bizarre dit comme ça. Stockage d'alchimie, ça peut être intéressant. Je pensais faire de l'alchimie aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Station de porteur, schéma de résurrection, station de porteur. C'est où est-ce qu'on l'a vu? Où est-ce qu'on l'a vu? J'ai un temps de texte aléatoire. Là, ça doit être ici. Voilà, zombie jardinier. Mais j'ai plus assez de bleu. Bon. C'était pas le plus important, je pense. Je pense qu'avoir les ressources primaires, qui en plus sont à gauche de la carte, donc assez loin, c'est plus important. Voilà. La hache, hein, que j'ai oublié forcément. Alors, est-ce que je peux la produire déjà, la hache, hein, ou pas encore? Ça, c'est la hache 2. Mais oui, la hache 1, je peux la produire, elle est là. Ok, du coup, je peux produire la hache 1 à l'enclume. Même au pire je fais l'aller-retour avec, non je le laisserai là, je veux dire. Mais de toute façon j'ai plus besoin de pierre que de bois, quoique le bois vient de partir assez vite. On peut construire. Voilà. Station de porteur. Carrière de minerai de zombies. On peut en construire deux. Coupe pierre. Réserve de pierre. Stock de minerai de fer. Mal. Mais je préfère garder pour la scierie quand même d'abord. Avant de totalement se focus à mettre une mine ici. Mais non, mais... Ah non. Attendez. Oui, là, j'ai utilisé tous mes piquets, d'accord. Donc ça, c'est juste pour produire des pierres qui pourront être coupées. Stock de minerai de fer, réserve de pierre, coupe de pierre. Il faut des haches, des pioches 1 aussi, d'accord. Il faut une hache 1, genre deux pioches 1, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Oui. Non mais les... En plus ça produit 2, ok. Et le marbre, du coup, il faut que je dise, ok, je pose... Non, là, c'est vraiment construire quelque chose. Okay. Je me suis fait avoir. Ça serait pas la première fois que je comprends mal ce jeu. Je me
demande si je l'emmène jusque chez moi ou si je le laisse à l'arbre. Mais tant qu'à faire, il peut peut-être produire quelque chose avec moi. On va arrêter de se battre avec les chauves-souris. Il peut peut-être produire quelque chose avec moi pendant que je... pendant que je produis autre chose. Là, je veux deux pioches et une hache. Là, du coup, pendant ce temps, ressources insuffisantes. Comment ça? Ah, il faut des pièces de fer simple avant. Les pièces de fer simple avant. Voilà. Il y a eu le temps de produire une d'os. Ça fait un peu ridicule, mais bon. Il aurait pu ne rien produire du tout. Alors. Allez, les chauves-souris, c'est assez court en fait. On a déjà plu. Elles sont pas là pendant très longtemps. Commencer à construire. Est-ce que tu peux la construire tout seul? Non. Ça va prendre toute mon énergie. Ah oui, quand même. t'as quelques tas de piles de bois là, et tout d'un coup, là je peux le mettre. Voilà, je peux le mettre, il produit du bois. Cargaison. Ça, c'est ça les sites de porteurs. J'aimerais bien voir... Ah d'accord, c'est pour ça que je l'avais vu en bas. Ok, cargaison, c'est objet en transporté. Okay. C'est bien de me faire des trucs, mais si je vois pas ce que c'est... Oh, c'est pas... Oui, c'est bien de mettre des zombies qui minent. Mais je pense que... Non, c'est plus... Je pense que je vais devoir mettre des zombies qui feront le transport juste de ressources, en fait. Ok. C'est bien de l'avoir indiqué parce que je savais pas où ça allait être. Hein. D'accord. Pas assez d'énergie. Et là, il me faut des dosses et des clous. Donc en fait, j'avais beaucoup de dosses, mais pas suffisamment pour tout faire. Station de porteur, qui je pense va être utile, même si faut que je comprenne encore un peu. Pareil, le coupe-pierre, ça peut être intéressant d'avoir un zombie qui me prenne mon stock de pierres. Avoir une réserve de pierre où je mets tout, et un zombie qui transforme les gros morceaux de pierre en petits morceaux. Mais bon, pour le moment, c'est déjà pas mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Graveyard Keeper ou un autre jeu.